la rentrée, juste un verre. Non, merci. Alors, on se voit avant mon départ. Je dois être rentré lundi. Dimanche, alors. Bon, alors dimanche. Écoutez, je veux quand même vous dire à quel point je vous suis reconnaissant. Bon, à dimanche, alors. Au revoir. Au revoir. Paulina ? Excuse-moi d'être tellement en retard. Qu'est-ce que tu fais là ? Ce type, c'était qui ? Figure-toi qui que... Qui était-ce ? J'ai eu... Non, ne t'inquiète pas, rien de grave. C'était pas un accident. Juste la voiture. Une chance, ce type s'est arrêté. Une simple crevaison. Oh, mais ma panchérie, ça doit être froid. Ça se réchauffe. Si on a quelque chose à fêter, bien sûr. Tu as quelque chose à fêter, Gérardo ? Ça dépend de toi. Tu sais ce que c'est, ça ? C'est un putain de clou qui est responsable de ma crevaison. Quand on a un pneu crevé, qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre la roue de secours qui est dans le coffre ? Si la roue de secours n'est pas à plat, bien sûr. Si sa femme a pensé à la faire réparer ? C'est toi qui devais faire réparer la roue de secours. Moi, je prends soin de la maison. Et toi, des problèmes de voiture. Une seconde. Attends une seconde. Je suis convoqué d'urgence par télégramme chez le président pour la réunion la plus importante de toute ma vie et... Et ce putain de clou m'attend gentiment allongé. Et me voilà seul, sans roue de secours, sur cette putain de route. Je savais bien que tu trouverais quelqu'un pour te sortir de là. Un type formidable. Une chance pour moi qui... Je ne sais pas comment tu fais, mais tu te débrouilles toujours pour que les choses se passent bien pour toi. Ce monsieur s'appelle Roberto Miranda. Je l'ai invité à prendre... Je t'ai entendu. Dimanche, ça te va ? Oui. Dimanche, c'est bien. Ainsi, le président t'a nommé ? Oui. Le sommet de ta carrière ? Pas le sommet, j'espère. Quand tu seras ministre de la Justice dans quelques années, là, ce sera le sommet. Hein ? Ça ne dépend certainement pas de moi. Tu lui as dit ? À qui ? À ton bon samaritain. Je le connais à peine, c'est la première fois que je le vois. En plus, je n'ai pas encore décidé. J'ai dit que je donnerais ma réponse demain, que j'étais très honoré, mais j'avais besoin de temps pour réfléchir. Je ne vois pas à quoi tu dois réfléchir, c'est ce que tu veux depuis des années. Parce que d'abord, tu dois dire oui. Bon. Eh bien, oui. Ce n'est pas le oui dont j'ai besoin. C'est le seul que je possède. Je ne comprends pas, Paulina. Que veux-tu ? Cette commission dans laquelle tu es nommée n'enquête que sur des cas qui se sont terminés par la mort. Elle a été créée pour enquêter sur les violations des droits de l'homme qui se sont terminées par la mort ou la présomption de mort, c'est exact. Les cas les plus sérieux. On suppose qu'en faisant la lumière sur les crimes les plus terribles, on dévoile les autres abus. Si je passe les prochains mois à recueillir des témoignages, ceux des familles, des témoins et de survivants... Et après ?
Tu écoutes les parents des victimes, tu dénonces les crimes, et qu'arrive-t-il aux criminels? Ça dépend des juges. Les tribunaux reçoivent une copie des dépositions, et les juges, à partir de là, décident. Des tribunaux? Des juges? Ces mêmes tribunaux qui ne sont jamais intervenus en 17 ans de dictature pour sauver une vie? Mais comment les as-tu appelés? Des tribunaux? Arrête, Paulina. Tu as déjà dit oui au président, hein? Tu as dit au président que tu acceptais? Non? J'ai besoin de la vérité, Gérardo. Oui. Je lui ai dit que j'acceptais. Ne t'en fais pas, Paulina, tout va bien. J'arrive. Ah, c'est vous? Je suis vraiment désolé de cette intrusion tardive. Je pensais que vous seriez encore debout en train de fêter ça. Je vous prie d'excuser ma... Entrez. Nous ne sommes pas encore habitués, voilà tout. Habitués? Oui, à la démocratie. Que quelqu'un frappe à ta porte à minuit et que ça soit un ami et pas... Et pas ses fils de pute, hein? Bien sûr. C'est ma faute. Je pensais seulement m'arrêter pour pas longtemps pour... Vous devez vous demander la raison de cette visite importune. Eh bien, je roulais vers ma maison, la radio était branchée... Ah, excusez-moi. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci, j'ai... Ah, j'ai un petit cognac de derrière les fagots. Bon, alors un chouïa. Donc... J'écoute la radio dans ma voiture et soudain j'entends votre nom aux infos dans la liste des personnalités choisies pour participer à la commission d'enquête présidentielle. Et je me suis rappelé que nous avions mis la roue de secours dans le coffre de ma voiture et que demain vous en auriez besoin. Je me suis dit, le moins que je puisse faire, c'est d'aller lui porter sa roue de secours, car dans ce trou où pas même le Christ ne viendrait. J'ai pensé que vous ne deviez pas perdre un temps si précieux. Je suis vraiment confus. Cette commission va permettre de fermer un chapitre de notre histoire particulièrement douloureux. Et je me suis dit,
Je suis là, tout seul, ce week-end. Il faut que je fasse ma part, aussi minime soit-elle. Mais ça pouvait attendre demain. Demain ? Alors vous vous levez aux aurores, vous arrivez à votre voiture, et là, pas de route secours. Non, mon vieux, je devais venir vous dire tout de suite que je vous proposais d'aller la faire réparer avec vous demain. Et après, on ira chercher votre voiture. J'ai le sentiment d'abuser. Il ne manquait plus que ça. Moi, j'aime aider les gens. Je suis médecin, je crois vous l'avoir dit. Non, alors les urgences, vous imaginez si je connais. Non, sérieusement, cela n'est pas un problème. C'est même un honneur pour moi. Vous voulez la vérité? La vérité vraie. Je suis venu pour vous féliciter. Pour vous dire que ce qui manque le plus dans notre pays, de connaître une fois pour toutes la vérité. Ce qui manque le plus dans notre pays, c'est la justice. Si on peut déjà établir une partie de la vérité. Je ne dis pas le contraire. Même si on ne peut pas les juger, ces gens-là, même s'ils invoquent cette amnistie aberrante, au moins que leur nom soit publié. Leurs noms devront être gardés secrets. Ce n'est pas le rôle de la commission de les identifier, et encore moins de divulguer leurs noms. Dans ce pays, tout finit par se savoir. Mais moi, je suis pour tuer tous ces fils de pute. Je vois que... Je suis désolé d'être en désaccord avec vous, Roberto. Mais à mon avis, la peine de mort n'a jamais résolu... En ce cas, on ne sera pas d'accord, Gérardo. Mais il y a des gens qui ne méritent pas de vivre. Et ce que je voulais vous dire, c'est que je crois que vous allez avoir un vrai problème avec... L'armée. L'armée va s'opposer à nous autant qu'elle le pourra. Ils ont déjà dit au président qu'ils considéraient cette investigation comme une insulte. Pour l'instant, le président tient bon, Dieu merci, mais nous savons qu'au moindre faux pas, ces gens vont nous sauter dessus. En ce cas, il se peut qu'on ne sache pas finalement... Qui sont ces types? Qui c'est? Vous ne voyez pas qu'ils forment une espèce de confrérie, de fraternité, de... Mafia. C'est ça, une mafia. Une société secrète où personne ne dit rien sur personne et où tous couvrent leurs arrières. Les militaires ne vont permettre à aucun de leurs hommes d'aller témoigner. Et si vous les assignez en justice, ils vont vous dire d'aller vous faire foutre. Qui c'est? Le président m'a dit, ça reste entre nous, bien sûr. Bien sûr. Il m'a dit qu'il y avait des gens qui étaient prêts à faire des déclarations en secret, à condition qu'on leur garantisse la confidentialité. Et dès que les gens vont commencer à parler, les noms sortiront de l'ombre. Car comme vous l'avez si bien dit, dans ce pays, tout se sait toujours. J'aimerais partager votre optimisme. Je crains qu'il y ait des choses qu'on ne sache jamais. Bon Dieu, vous avez vu l'heure? 2h du matin. Écoutez, je reviens vous chercher, disons, à 9h, ça vous va? Et pourquoi vous ne resteriez pas dormir? À moins que quelqu'un vous attende? Personne, ma femme et les enfants sont en voyage. Alors si vous êtes seul? Et puis j'ai mes patients. Non, c'est vraiment très gentil, mais... Je suis venu pour vous aider, pas pour vous embêter. Il vaut mieux que je parte et... Il n'en est pas question. Vous restez. Allez, on se tutoie. Paulina sera enchantée. Tu vas voir le petit déjeuner qu'elle va nous préparer. Bon, eh bien, je ne résiste pas à cet argument-là. Et pour dire la vérité, je suis fourbu. Les toilettes? Par là.
Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Une brosse à dents, c'est la seule chose que je ne puis te... Non, une des choses qu'on ne partage jamais, c'est la brosse à dents. Paulina, tu sais le docteur qui m'a ramené, il va passer la nuit ici. Il dormira ici comme ça, demain il m'accompagnera. C'est un ami, tu sais, alors n'aie pas peur. Demain, tu nous feras un beau petit déjeuner. Oh.
Bonjour, docteur Miranda. C'est ça, docteur Miranda. Vous devez avoir faim. Un bon petit déjeuner. Voyons, c'était quoi déjà? Des sandwichs au jambon. Des sandwichs au jambon avec de la mayonnaise. Nous n'avons pas de mayonnaise. Eh, nous avons du jambon. Mais je vais apprendre à connaître vos autres goûts. J'espère que cela ne vous dérange pas trop, que pour l'instant nous en restions à un monologue. Mais vous allez pouvoir vous exprimer, docteur. Vous pouvez être sûr de ça. Pour l'instant, je préfère ne pas retirer ce baillon. C'est comme ça que vous appelez ça, non? La vraie, vraie vérité, c'est que vous avez l'air de vous ennuyer. Vous ne m'en voudrez pas d'avoir pris ça dans votre voiture? Et si nous écoutions Schubert pendant que je prépare le petit déjeuner? Vous savez, depuis quand je n'ai pas écouté ce quatuor? Si ça passe à la radio, j'éteins. Alors, je prie pour qu'on ne joue nulle part où je me trouve. Mais je me suis promis qu'un jour viendra où je pourrai le ressortir du cimetière, pour ainsi dire. Et le fait de l'écouter ici, avec vous, me conforte dans cette idée. Est-ce que vous saviez que Schubert était homosexuel? Mais bien sûr que vous le savez. C'est vous qui n'arrêtiez pas de le répéter tandis que vous passiez La jeune fille et la mort. Était-ce cette même cassette, docteur? Ou en achetez-vous une chaque année pour garder la pureté du son? Bonjour, mon amour. Désolée, le petit déjeuner n'est pas encore prêt. Elena, que se passe-t-il? Qu'est-ce que... Roberto, docteur Miranda? Ne touche pas! Quoi? Ne touche pas! Pose c'est lui. Tout de suite ce revolver. C'est lui! Pose ce revolver. C'est lui. Lui qui? C'est le docteur. Mais quel docteur? Le docteur qui passait du Schubert. Comment le sais-tu? La voix. Tu m'as dit que pendant toutes ces semaines, tu étais... Les yeux bandés, oui. Mais je pouvais quand même entendre. Tu es malade. Je ne suis pas malade. Le vague souvenir de la voix de quelqu'un n'est pas la preuve de quoi que ce soit, Paulina. C'est sa voix. Je la reconnais dès qu'il est arrivé hier soir. Sa façon de rire, certaines phrases. C'est peut-être pas beaucoup, mais pour moi, c'est assez. Tu crois que je pourrais l'oublier, une voix comme celle-là? Encore un peu. Cette pute peut en supporter plus. Vas-y, tu peux lui en remettre un coup. Il en faut plus pour qu'elle s'évanouisse. Vas-y, tu peux lui en remettre d'un coup. Monte d'un cran. Paulina, donne-moi cette arme. Non. Tant que tu la dirigeras sur moi, il n'y aura pas de dialogue possible. Au contraire. Si j'arrête de te viser, tout dialogue cesse immédiatement. Je voudrais que tu saches que ce que tu fais en ce moment peut avoir des conséquences très graves, Paulina. Irréparable, hein? Oui, peut-être irréparable. Docteur Miranda, je vous demande de nous excuser. Ma femme... Ne t'excuse pas! Ne t'excuse pas et ne demande pas pardon à cette merde humaine. Paulina, donne-moi cette arme. Tu ne peux pas faire ça. Quand cesseras-tu de me dire ce que je peux faire ou ne pas faire? Je peux faire ça, ça aussi... Pas ça. Je l'ai fait. Écoute, essayons d'être raisonnables. Mais c'est à toi d'être raisonnable. Ils ne t'ont jamais rien fait à toi. Tu es méconnaissable. Mais comment peux-tu agir ainsi? Parler ainsi? Expliquez donc à mon mari, docteur Miranda, ce que vous m'avez fait pour que je sois aussi folle. Paulina, je voudrais que tu me dises précisément ce que tu as l'intention de faire. Pas moi.
tous les deux. On va juger le docteur Miranda, Gérardo, toi et moi, ici même. Ou bien, c'est ta fameuse commission d'enquête qui va s'en charger. Paulina, tu vas m'écouter. Bien sûr que je vais t'écouter. Est-ce que je ne t'ai pas toujours écouté? Assieds-toi, s'il te plaît. Et je voudrais que tu m'écoutes attentivement. Tu sais que j'ai passé ma vie à défendre l'état de droit. S'il y a une chose qui m'a toujours révolté dans le régime militaire... Avant, tu les appelais fascistes! Ne m'interromps pas! S'il y a une chose qui m'a toujours révolté, c'est qu'ils accusaient tant d'hommes et de femmes, qu'ils étaient juges et partis, procureurs et exécuteurs, et ne donnaient à personne la possibilité de se défendre. Même si cet homme a commis les pires crimes de l'univers, il a le droit d'être défendu. Je n'ai pas l'intention de lui dénier ce droit, Gérardo. Je vais te donner tout le temps que tu voudras pour parler à ton client. De l'eau. Quoi ? Il veut de l'eau, Gérardo. C'est bon l'eau, hein ? Meilleur que de boire sa propre pisse, en tout cas. Monsieur Escobar, cette abus est impardonnable. Réellement impardonnable. Nous avons déjà une déclaration sur le pardon. Le docteur Miranda estime qu'il est inexcusable d'attacher quelqu'un, d'empêcher cette personne de parler pendant quelques heures. Nous sommes d'accord. Autre chose? Je ne vous connais pas, madame. Je ne vous ai jamais vue. Mais je peux vous dire que vous êtes très malade. Mais vous, monsieur Escobar, vous n'êtes pas malade? Vous êtes avocat, un défenseur des droits de l'homme, un opposant au gouvernement militaire comme moi-même. Vous êtes responsable de vos actes et... il est de votre devoir de me détacher immédiatement. Je veux que vous sachiez que chaque minute qui retarde ma libération vous fait plus complice encore. Et vous devrez en assumer les conséquences. Des menaces? Je ne menace. Si, vous étiez en train de menacer. Alors mettons-nous bien d'accord une bonne fois pour toutes, docteur. Le temps des menaces est terminé. Là-bas, dehors, il est possible que ce soit encore les vôtres qui donnent des ordres. Mais ici, et maintenant, c'est moi qui commande. Compris ? Il faut que j'aille aux toilettes. Pisser ou chier ? Paulina ! Docteur a l'habitude de ce genre de langage. Alors docteur, par devant ou par derrière ? C'est intolérable, Paulina. Il faut que je te parle. Qui t'en empêche ? Seul. Mais qu'est-ce que tu essayes de faire au juste? Où veux-tu en venir avec cette folie? Je te l'ai déjà dit, le juger. Et après, tu vas le... Le tuer? Mais je n'ai pas la moindre intention de le tuer. Mais que vas-tu lui faire alors? Tout ça parce qu'il y a 15 ans, quelqu'un t'a... Qu'un à quoi? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait, Gérardo? Je sais seulement ce que tu m'as raconté ce premier soir. Ils t'ont... Non. Ils t'ont torturé. Ils m'ont torturé. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait d'autre, Gérardo? Ils t'ont violé. Combien de fois? Je ne sais pas, tu ne me l'as jamais dit. C'est pas vrai? Tu m'as dit que tu n'avais jamais compté. Je sais exactement combien de fois. Et ce soir-là, quand je t'ai raconté, qu'est-ce que tu as juré de leur faire quand tu les aurais retrouvés? Un jour, mon amour, on va les juger, tous ces salauds. C'est ce que tu as dit. Tes yeux
pourront se promener sur chacun de leurs visages pendant qu'ils écouteront tes accusations. Je te le jure. Dis-moi, mon amour, à qui dois-je m'adresser maintenant? À qui dois-je m'adresser? À Gérardo, qui va écouter mes accusations concernant ce docteur. C'est ta fameuse commission. Ma commission? Mais de quelle commission me parles-tu? Grâce à toi, nous ne serons probablement pas en mesure d'enquêter sur les autres crimes. Il va falloir que je démissionne. Tu devras démissionner, même si personne n'est au courant. Oui, plutôt sera le mieux. Écoute, Gérardo, je te donne ma parole que ce petit jugement privé ne t'affectera en rien. Ni toi, ni la commission. Est-ce que tu crois vraiment que je ferai quoi que ce soit qui puisse nuire à la commission? Rien de ce qui sera dit ici ne sera rendu public. Même si cela est vrai, il faudra que je démissionne. À cause de ta femme qui est folle, qui était folle parce qu'elle ne disait rien, et qui est folle maintenant parce qu'elle peut parler. Attends une seconde. Alors, notre hospitalité ne vous plaît pas? Tu veux déjà nous quitter? Salope! Tu ne prendras pas autant de plaisir à l'extérieur qu'ici, avec moi, mignonne. Dis-moi ce qui va te manquer le plus. Hein? Dis-le-moi! Paulina! Il n'y a pas que la voix que je reconnais, Gérardo. Je reconnais aussi sa peau et son odeur. Et si je peux te prouver sans l'ombre d'un doute que ton médecin est bien coupable, tu veux quand même que je le relâche? Oui. D'autant plus il est coupable. Laisse-le partir, Paulina, pour le bien du pays, pour notre bien à nous. Et moi? Ou bien à moi? Tu me demandes d'oublier? Que tu te libères d'eux, Paulina. C'est ça que je te demande. Écoute, Gérardo, qu'est-ce que tu penses d'un compromis? De quoi parles-tu? Un compromis? Un arrangement, une négociation, pour que tu vois que je ne suis pas aussi irresponsable et émotive ou folle. Je te propose de parvenir à un arrangement. Tu veux que cet homme soit libéré sans qu'il lui soit fait de mal. Et moi, tu veux savoir ce que je veux, ce que je veux vraiment? C'est qu'il se confesse. Il se confesse? Et tu le laisses partir? Je le laisse partir. Et tu ne veux rien d'autre de lui? Rien d'autre. Et tu espères que je vais croire que tu le relâcheras quand il se sera confessé? Et tu crois qu'il va te croire? À ce genre de type, il faut faire peur. Dis-lui la vérité. Que j'ai caché la voiture et que j'ai l'intention de le tuer. Que la seule façon de m'en dissuader, c'est de se confesser. Il y a un seul problème, Paulina. Que se passe-t-il s'il n'a rien à confesser? S'il ne se confesse pas, je le tue. Dis-lui. Mais s'il n'est pas coupable, que peut-il confesser s'il est innocent? S'il n'est pas coupable, alors il est vraiment foutu.
n'avez pas faim, docteur Miranda? S'il te plaît, continue à me tutoyer. Je préfère vous voyez comme si vous étiez un client, docteur. Cela me facilitera la tâche. Je crois que vous devriez manger quelque chose. Je n'ai pas faim. Elle est folle. Excusez-moi, Gérardo, mais votre femme, vous devriez la faire voir par un psychiatre. Il lui prescrirait un traitement pour... Pour le dire d'une manière brutale, docteur, sa thérapie, c'est vous. Elle va me tuer. À moins que vous ne vous confessiez, elle va vous tuer. Mais confesser quoi? Qu'est-ce que je peux confesser si je... Elle est persuadée que vous êtes l'un de ces médecins. Si vous ne savez prouver le contraire... Prouver le contraire? Comment? Il faudrait que je prouve que ce n'est pas ma voix. La seule chose qui me condamne, c'est la voix. Il n'y a pas d'autre preuve. Et votre peau? Elle a parlé de votre peau. Ma peau. Et votre odeur? Ce sont les inventions d'une femme malade. Elle est complètement cinglée. Quand les dingos ont le pouvoir, il faut leur céder, docteur. Et dans son cas, elle a besoin d'une confession pour... Pour faire quoi? À quoi ça va lui servir? Peut-être à la libérer de ses démons. Et toi? Et moi, quoi? Tu la crois, hein? Tu me crois coupable. Si je te croyais coupable, est-ce que je serais là à essayer de te sauver? Depuis le début, vous êtes ligué contre moi. Elle, c'est la méchante, et toi, le bon. Mais quand j'aurai confessé, ça sera toi qui me tueras, ça ne sera pas elle. Ça sera toi. C'est ce que ferait n'importe quel homme digne de ce nom si on avait violé sa femme. C'est ce que je ferais, moi, si on avait violé ma femme. Je te couperais les couilles. Alors tu crois que je suis cet enculé de docteur, hein? Où vas-tu? Je vais te dire ce que je vais faire. Je vais aller chercher le revolver et te faire sauter la cervelle. Mais à bien y réfléchir, je vais suivre ton conseil. Et te couper les couilles, sale fasciste! C'est ce que ferait un homme digne de ce nom, hein? Combien de fois te l'es-tu envoyé, hein? Combien de fois, fils de pute? Gérardo, pas de Gérardo ici. Ici, œil pour œil, dent pour dent. Mais après tout, pourquoi me salirais-je les mains avec une ordure comme toi, quand il y a quelqu'un qui prendra beaucoup plus de plaisir? Je vais l'appeler, afin qu'elle te fasse sauter la cervelle elle-même. Ne l'appelle pas, s'il te plaît. J'en ai marre d'être pris en sandwich entre vous deux. Tu t'arranges avec elle, tu la convaincs. Empêche-la de me tuer. Qu'est-ce que tu vas lui dire? La vérité. Que tu refuses de collaborer. J'ai besoin de savoir ce que j'ai fait. Il faut que tu comprennes que je ne sais pas ce que je dois confesser. Si j'étais cet homme, je saurais tout, chaque détail. Mais comme je ne sais rien, si je me trompe, elle va croire que je... Je vais avoir besoin de toi. Il va falloir que tu me dises pour que je puisse inventer à partir de ce que tu m'auras dit. Tu te rends compte que tu me demandes de la tromper? Je vous demande de sauver la vie de l'innocent maître Escobar. Vous croyez à mon innocence, n'est-ce pas? Cela vous importe tellement ce que je pense? Bien sûr. Ce n'est pas elle. C'est vous qui représentez la société, la commission présidentielle. Ce n'est pas elle. C'est vous. Attendez.
Attendez, où allez-vous? Qu'allez-vous lui dire? Je vais lui dire que vous avez envie de pisser. Je ne comprends pas. Il faut que je sache. Pourquoi? J'ai besoin de l'entendre de ta bouche. Ce n'est pas juste que ce soit lui qui me raconte. Mais c'est intolérable. Je te l'ai déjà raconté une fois, Gérard. Il y a 15 ans, tu as commencé à me raconter. Et puis, tu vas tout me dire alors? Oui. Tout? Tout. Comme si tu témoignais devant la commission? Je ne sais pas comment commencer. Commence par ton nom. Mon nom de jeune fille, c'est Paulina Solas. Aujourd'hui, je suis mariée avec Gerardo Escobar, l'avocat. Mais à l'époque... Date. Le 6 avril 1975. J'étais célibataire. Je marchais... Rue San Antonio. Sois aussi précise que possible. Il était 14h15. Quand derrière moi, trois hommes ont surgi d'une voiture. Il y en a un qui m'a mis un revolver dans le dos. Un seul mot, et on te fait sauter la cervelle, mademoiselle. Il m'a craché les mots dans l'oreille. Le docteur n'était pas parmi eux. J'ai rencontré le docteur Miranda pour la première fois trois jours plus tard, quand... C'est là que je l'ai connu. Au début, j'ai cru qu'il allait me sauver. Il était doux. Tellement gentil après ce que m'avaient fait les autres. Et soudain, j'ai entendu un quatuor de Schubert. Tu ne peux pas t'imaginer ce que c'est que d'entendre cette merveilleuse musique dans l'obscurité. Je mettais de la musique. Je mettais de la musique parce que ça m'aidait dans mon rôle. Le rôle du bon, comme on l'appelle. Je mettais du Schubert pour gagner la confiance du prisonnier, mais aussi pour soulager la souffrance. Vous devez me croire, c'était un moyen de soulager les souffrances des prisonniers. Pas seulement la musique, mais tout ce que je faisais. Les prisonniers, leur claquaient entre les doigts, m'ont-ils dit. Ils avaient besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux. Quelqu'un de confiance. C'est très progressivement, sans vraiment m'en rendre compte, que je me suis impliqué dans des choses plus délicates, qu'il me demandait d'assister à des séances où mon rôle était de déterminer si les détenus pouvaient endurer autant de tortures, surtout l'électricité. Au début, je me suis dit que c'était un moyen de leur sauver la vie. C'est ainsi que je disais que il fallait arrêter, sans quoi le prisonnier allait mourir. Mais après, petit à petit, mes bonnes intentions m'ont quitté et furent remplacées par quelque chose de différent. Je commençais à devenir brutal. Je commençais à devenir brutal. Ça commençait à vraiment me plaire ce que je faisais. C'était devenu un jeu. J'étais saisi d'une curiosité moitié morbide, moitié scientifique.
cette femme-là, jusqu'où peut-elle tenir? Plus que l'autre? Elle est complètement à ta merci. Tu peux faire d'elle ce que tu veux, donner libre cours à tous tes fantasmes. Allons, docteur! Tu ne vas pas te priver de chair gratuite, non? Ça, c'était ce que me disait un type. Un type qu'on appelait la bête. Un surnom, bien sûr. Je n'ai jamais su son vrai nom. Elles aiment ça, toutes ces salopes, docteur, me disait la bête. Elles aiment ça. Et si en plus vous leur mettez votre petite musique toute douce, alors elles se font encore plus câline. Mais jamais aucune femme n'est morte entre mes mains. Jamais aucune femme. Aucun homme. Il y a eu en tout quelques 84 prisonniers dont je me suis occupé, y compris Paulina Solas. C'est tout ce que je peux dire. Je demande qu'on me pardonne, qu'on me permette de vivre le reste de ma vie avec ce terrible secret. Il ne peut pas y avoir châtiment pire que celui que m'inflige la voix de ma conscience. Paulina, je t'en prie, ça suffit. C'est terminé. Presque terminé, oui. Je ne crois pas qu'il est temps. Tu as parfaitement raison. Nous avions un accord. Maintenant, va chercher sa voiture. Et lui? Je le laisse seul avec toi? Tu ne crois pas que je suis en âge de prendre soin de moi? Bien, bien. Je vais chercher la voiture. Si vous permettez, je voudrais aller aux toilettes. Ne bougez pas, docteur. Il reste encore un petit problème à régler entre nous. Je crois que ça va être une très belle journée. Vous savez ce qui manque pour que cette journée soit absolument parfaite? De vous tuer. Pour que je puisse enfin écouter Schubert sans penser que vous allez l'écouter aussi, en souillant ma journée. Votre mari est parti en vous faisant confiance. C'est vrai. Mais quand j'ai donné ma parole à Gérardo, j'avais encore quelques doutes, un tantinet de doutes que vous fussiez cet homme. Et depuis que je vous ai entendu, mes derniers doutes se sont évanouis. Maintenant que je sais que vous êtes cet homme, je ne pourrai plus vivre en paix si je vous laissais en vie. Vous avez une minute pour vous repentir pour de vrai, docteur. Ne faites pas ça, madame. Je suis innocent. Cette confession, docteur? La confession, madame, est fausse. Comment ça, Foss? Ma confession, nous l'avons fabriquée, je l'ai inventée. À moi, elle m'a paru éminemment vraie. Votre mari m'a indiqué ce que je devais dire. J'ai inventé certaines choses, mais la plus grande partie m'a été suggérée par lui, sur la base de ce qu'il savait, pour que vous me laissiez partir. Il m'a convaincu que c'était le seul moyen pour que vous ne me tuiez pas. Vous savez comment, sous la contrainte, on dit n'importe quoi. Mais je suis innocent. La bête. Madame, je ne comprends. À plusieurs reprises au cours de votre confession, vous avez mentionné la bête. Son nom m'a été donné par votre mari. Tout ce que j'ai dit, c'est votre mari qui m'a aidé à l'inventer. Demandez-le lui quand il reviendra. Je n'ai pas besoin de lui demander. Le nom que j'ai mentionné à mon mari, c'était la brute, docteur. La brute, un faux nom, exprès, pour voir si vous alliez corriger. Et vous l'avez corrigé.
Vous avez corrigé la brute et vous l'avez remplacée par la bête. Et si vous étiez innocent, comment auriez-vous connu le vrai surnom de cet homme ? Ce n'est d'ailleurs pas la seule correction que vous ayez faite à la version que j'ai confiée à Gérardo. Il y a eu d'autres mensonges. Lesquels ? Lesquels ? Oh, de petits mensonges, de petites variations dans le récit que j'ai fait à mon mari. Et vous les avez toutes corrigées. Vous aviez tellement peur que vous n'avez pas été assez attentif. Mais ce n'est pas parce que vous êtes coupable que je vais vous tuer, docteur. Je vais vous tuer parce que vous ne vous êtes pas repenti dans Utah. Que voulez-vous de plus ? Vous en avez plus que n'en auront jamais toutes les victimes de ce pays. Que voulez-vous de plus ? La vérité ! La vérité, et je vous laisse partir. La vérité, je vous libère. Repentez-vous, et je vous laisse partir. Vous avez 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allons, docteur. 7. Confessez-vous, docteur. Non. Non, je ne le ferai pas. Même si je me confesse, vous me tuerez de toute façon. Je ne le ferai pas. Je ne permettrai pas à une femme malade de me traiter comme ça. Si vous voulez me tuer, faites-le. Mais sachez que vous tuez un innocent. 8. Ainsi, on continue la violence. Toujours la violence. Hier, on vous a fait subir des violences terribles. Et aujourd'hui, c'est vous qui me faites subir ces choses terribles. 9. Paulina ! N'est-il pas temps de s'arrêter ? Pas cette fois-ci. Cette fois-ci, je vais penser à moi, à mes propres besoins. Pour que justice soit faite, dans un cas, au moins dans un cas. Qu'est-ce qu'on a à perdre si on n'en tue qu'un ? Qu'est-ce qu'on a à perdre, même si on n'en tue qu'un ? Qu'est-ce qu'on aurait à perdre ? Qu'est-ce qu'on aurait à perdre ?